Oui, donc aujourd'hui, on se réunit notamment pour manifester contre les mesures de la loi séparatisme, mais particulièrement visant les musulmanes et les musulmans de ce pays. Alors, hélas, la France est un des pays européens qui est le plus réactionnaire en termes de mesures liberticides visant les musulmans en particulier. À qui? À nous. Et c'est pas l'Allemand qui fait la loi. La vraie démocratie, elle est ici. Et c'est pas l'Allemand qui fait la loi. La vraie démocratie, elle est ici. Attention! Voilà, ils ont niqué la meuf par derrière. Projet de loi qu'on appelle séparatisme, qui est rien d'autre finalement qu'une loi qui stigmatise les musulmans et les musulmanes de ce pays-là, comme si dans ce pays-là il n'y avait pas des problèmes immenses à régler, notamment l'explosion des inégalités sociales, notamment le fait qu'on ne puisse pas se soigner contre le Covid comme il faudrait, 1 million d'emplois qui disparaissent, la précarité qui explose partout, ça chauffe dans nos quartiers et le gouvernement ne trouve rien de moins, bien que stigmatiser les quartiers de la population. Alors, je me présente, je m'appelle Camille, je suis militante féministe qui porte le voile. Nous sommes ici avec le mouvement Collège Féminicide de Paris. Ce mouvement, c'est un mouvement en mixité choisie, ça veut dire 100 hommes 6. Nous collons nos slogans partout dans la rue, du 1er au 20e arrondissement. Aujourd'hui, nous sommes là contre la loi sécurité globale, mais notamment aussi contre l'islamophobie, car nous collons contre ça pour dire que cette loi est inacceptable. Ça nous met en danger, nous, couléreuses, car nous sommes exposés au premier rang contre les violences policières et aussi au racisme. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, mais on